Alors voilà, un petit bout d'un morceau binaire ternaire. Un petit bout d'un morceau. Souviens USB, c'est dans la première page même. Maintenant, je vais jouer. Alors, j'ai pas pu mettre les mêmes notes, mais vous reconnaîtrez la mélodie. Et je joue en mode ternaire, avec justement le rythmique fait à la cymbale crash ou au charleston par nos batteurs. Et nos batteurs doivent nous soutenir. Ils doivent soutenir le groupe et non pas couvrir le groupe, si jamais. Je dis ça exprès pour les batteurs, parce que ça nous trop sature, les batteurs. Pour le ternaire, parce que justement, c'est un rythme qui est soutenu et il faut qu'il soit là. Mais il faut qu'il soit en soutien, pas couvrir. Alors, je fais le même petit bout, hein, mais j'essaye de le rendre ternaire. Alors, dans mon tête, je fais le l'harmonie et j'ai essayé de placer en ternaire quand même la mélodie de basse. Voilà, ça c'est la petite astuce que j'ai fait pour pouvoir le rendre en ternaire, parce que je vous avoue que j'ai un peu choisi par hasard et puis je me suis pas tellement rendu compte que c'était pas tellement un morceau rendable en ternaire, mais ça l'a fait quand même différent. Mais voilà, la différence ternaire et binaire, c'est le fameux. Ça, c'est ternaire. Et ça, c'est binaire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ternaire. 1, attendez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, bonne matinée et à plus tard l'équipe. Au plaisir.